l'objectif de Womaye, c'est mettre en avant les gastronomies africaines. Donc, ça serait vraiment très bizarre pour moi, de, par exemple, de mettre du bacon dans mon burger. Pour moi, ça n'a pas de sens. Bienvenue chez Womaye, c'est un concept de burger inspiré des plats africains. Pour créer ce concept, on a énormément voyagé. On a voyagé dans plusieurs pays, un mois en Côte d'Ivoire, un mois au Sénégal, un mois à Madagascar, un mois au Congo, un mois au Maroc. Et on est revenu avec plusieurs recettes que vous pouvez retrouver dans nos cuisines. Je suis né au Congo et il faut savoir que la culture congolaise, elle est vraiment très présente dans ma famille. On est une famille de 8, donc on parle lingala à la maison, on mange congolais partout. Je suis obligé de dire que mes racines congolaises ont influencé ma nourriture aujourd'hui chez Womaye. On a appris à cuisiner traditionnellement plusieurs plats. Et aujourd'hui, on retrouve deux choses congolaises dans notre menu. On retrouve le burger Kinlabel inspiré du poulet mayo, donc poulet fumé dans un feuille de bananier avec de la mayonnaise et de la sauce piquante. Nous, on en fait un burger. Et les mikaté, c'est une recette de ma mère. Il faut savoir que quand on a fait notre tour d'Afrique des différents pays, c'était hyper compliqué d'avoir les recettes au grammage près. Dans chacun des pays, les mamans nous disaient c'est à l'œil, c'est à l'œil, c'est à l'œil. Donc on a mis notre pèse, on a pesé, on a pris des notes, on a refait les recettes avec elle et on a réussi à décrypter la recette de ma mère qu'on propose aujourd'hui au restaurant. Alors par exemple, là on a fait une collaboration avec Alfie. Donc Alfie, c'est un concept de restaurant qui fait des sandwichs new-yorkais. Et à l'intérieur de ce sandwich, on a fait un kejenou, ça vient de Côte d'Ivoire. On a énormément mangé. C'est un plat en soupe très très épicé où on met du poisson dedans ou du poulet. On disait à l'époque que c'était plutôt le plat des pauvres, entre guillemets, hein. C'était des travailleurs, des agricoles, etc. Et nous, on le retrouve aujourd'hui à Paris dans un sandwich et on le sert à tout le monde. Il y a à la fois la surprise dans les textures avec le côté originel et authentique du plat qu'on connaît. J'ai pris Babila Douce, le burger inspiré de Garba, et j'ai adoré. J'avais le thon, j'avais les petits condiments là, piment, poivron. J'avais la kéké entre deux pains, c'était génial.